Et bienvenue à tous sur la chaîne du Nerotro Gaming, c'est Mocha de retour sur Castlevania Lord of Shadow. Gabriel à la recherche de sa femme. Allons-nous la trouver? Ou la retrouver plutôt? Ça, A great victory. je suppose qu'on le saura plus ou tard. Won the trust of the girl, and together they wield a fearsome power. She is so young, so beautiful. Je veux dire par-dessus, hein, cette fois-ci, tant pis pour le cafouillage qui racle l'anglais derrière. Hein, mais une grande victoire. Gabriel a gagné la confiance de la fille. Et ensemble, ils détiennent un pouvoir redoutable. Elle est si jeune, si belle. La vie est si fragile, si aux frontières de l'humanité. Et pourtant, dans ce lieu sans pitié, elle a réussi à survivre avec l'aide de son chevalier noir protecteur. Le sommeil viendra et les emportera bientôt. Épuisés, ils se reposent, mais cette nuit, l'appel du destin va retenir leur à nouveau, va retentir à nouveau, et j'ai bien peur que mes amis ne soient plus jamais les mêmes. Donc encore une fois, qui est donc le narrateur? Moins de choses qu'on apprendra aussi au fur et à mesure. First time I touched your face, I have seen my fate. I am ready. Hey. Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key, and the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without it. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. No. Apparemment, il est somnambule. No. No. La damoiselle nous en veut. Right, ok. On va se fight avec lui. J'ai remis le touche des. Le mode des touches PS3, ça serait mieux. Si j'arrive à me dérouler. On reprenne. Gameplay en main. Bon, j'ai trouvé la faille quoi. Il n'y avait que ça que j'ai. Rien dixième encore. Oui. La gueule. On peut faire de touche, mais c'est pas. Hop là. Prendre le. Bien, bien. Ah.
j'essaie d'esquiver pourtant. Et bah ouais, finish. Ça annonce très long, alors y'a un truc qui m'échappe. Ah ça va, il m'a emmené au checkpoint quand même de la moitié de la vie. Je vais enlever. Moi c'est quoi. Oh merde. Hé, jette-moi ça là. Bah, aussi m'a regardé. Voilà, là. Ces flaques là. Et merde. C'est même le flaque qui est monté, c'est même pas lui. Boudel. Fuck you man. Exist. Oh fuck. Il a anticipé là où j'allais esquiver, quoi. Il triche, mec. Sucker. Checkpoint. Faut que je récupère ça. Hop. J'ai repris un peu de pouvoir. Je peux reprendre un peu de. Pour la reperdre aussitôt. Non. Non. Et bah c'est. Bienvenue. À la fin, là, il me reste plus qu'à le terminer. Il a perdu son armure. Fin de partie, en tout cas. Ah ok. Quelle est l'animation. Ouais, c'est tout en fait, c'était bel et bien pas un rêve, un rêve dans un rêve, Inception. Alors,
il a vraiment tué. D'ailleurs, on sait même pas comment elle s'appelle. Femme mystère, qui parlait par les pensées, télépathie, tout ça. Ok, elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée dans, dans l'histoire. Voilà, normal, on se casse. Super. Récupérer le grand clé de pouvoir, chapitre 2. Bon, voilà, au moins c'est bon, c'est fait. On a conclu ce dernier. Nouveau combo disponible. Ça sert à rien, j'ai pas assez de façon pour acheter. Continuons la quête. Passons au troisième chapitre. Les trois tours. Dreams are a gateway to the mind. Les rêves sont un portail pour l'esprit. Gabriel a payé un prix terrible pour avoir cédé sous son fardeau. Les nuits sans sommeil depuis que son amour a été ravi. La peur de dormir, les cauchemars qui le hantent, tout cela a joué un rôle. A-t-il tué cette fille? Y a-t-il eu une autre explication? Le doute le ronge à présent, grignotant son âme. Le golem protégeait cette fille depuis des siècles et l'animait tendrement, et l'aimait tendrement. Il ne pouvait laisser Gabriel vivre et abandonner le gantelet. Peu d'hommes pourraient poursuivre, la plupart abandonneraient, mais quelque chose au fond de lui le tire vers l'avant. Une force noire se répand et toutes les créatures de la nuit viendront le hanter désormais. J'essaie d'aller au moins aussi vite que lui, mais du coup j'étais plus vite que lui, le narrateur. Cette pièce issue de la technologie des forgerons d'Agartha ne fait pas partie du plan du golem du chevalier noir, mais a été plus ou moins magiquement fondue dans la création au cours des phases finales. Les pères de Claudia, le père de Claudia l'a incluse à cause de son impressionnant pouvoir et de la force brute nécessaire qu'elle donne au golem pour protéger son enfant chéri. Néanmoins, son but est en vérité bien plus sombre. Ok. C'est pour déplacer les objets lourds, hein. Répond à une de mes questions qu'il y avait. L'objet sur la route sur laquelle... voilà, dans l'épisode d'avant ou lui d'avant encore, je ne sais plus. Il y avait affaire à ça et je pouvais pas m'en servir. Pas le gant, ça ah, c'est carré, c'est LT et carré, pas LT et là, ah, sauf que c'est bon, il tire pas, il met un coup dessus. L2 et carré, que ça allait défoncer la porte. Bon, on a un oubli ici, il y a pas un petit chevalier qui traîne avec un petit parchemin. Semblerait que non. Alors, allons-y. Ok, j'ai du monde. Ce qu'on vient de se faire, ça c'est du menu frottin. L'apéro, le dessert et encore. Voilà, bon alors comment on fait pour interagir avec ça? C'est pas avec cette touche là, bizarrement. Défoncer? Je ne sais plus, mais ça permet de remettre toute son énergie à fond. Ça serait con de passer à côté là. Il est juste là. Alors, il s'agit juste d'appuyer sur un bouton. C'est pas le bouton prendre, c'est bizarre. Hein, ah, c'est simplement le bouton aspirer, on va dire. Celui qui me sert à ramasser les âmes, justement. Ok, maintenant je le sais, parce que la dernière fois, j'avais pareil, j'avais pas réussi à le prendre. Du coup, j'avais appuyé sur le grappin, j'avais fini ailleurs. Parce qu'il y avait l'objet avec lequel interagir. Enfin bref. On va peut-être avoir besoin des grappins ici, hein. Quelque chose de... bah non. Alors, faut que je dompte une bête, mais... ah, peut-être que c'est par là.
Ce jeu me donne envie de me refaire les... En plus, je les ai, hein, les God of War. Le problème, c'est que j'ai... Pas de problème. Oui et non. Ah si. J'ai la trilogie... Enfin non, la collection, là, HD, sur PS3, sauf qu'elle est en anglais, bordel. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris... La version anglaise, et du coup, bah, le doublage est en anglais. Merde, on fait quoi, là? What's happening? Je crois que je vais reprendre le point de ce pire. Ah, mais c'est ça alors, du coup. Pas ça la magie de l'ombre, bizarrement, parce que quand même, la magie de l'ombre, là on est noir et là on est rouge. Je sais pas, moi. D'autres couleurs, magie de l'ombre, pour moi c'est noir, on va dire, ou bleu. Bref. Encore une fois, heureusement qu'il y a. Le montage pour la rediff, ça galère comme ça. On aura un truc aussi simple, on fout les boules. Le bon côté des choses, c'est que j'ai réappris mes touches un petit peu là. J'ai vu qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait. Selon le joystick sur lequel on appuie pour récupérer les âmes, on récupère soit les âmes de la magie de l'ombre ou soit celle du vampire là qui permet de reprendre de la vie. En fait, c'est celle du vampire. Mais non, celle du vampire, c'est ce qui sont, c'est ce qu'en bleu, c'est. J'appelle ça le vampire, mais c'est autre chose. Ça permet de reprendre de la vie, ça. Bref. Moi, je m'y retrouve, c'est ce qui compte. Ah, bizarre qu'il n'y avait rien là-dessus. Un petit chevalier. Comme je disais, ouais, ça me donne envie de me mettre au God of War. Même au Devil May Cry d'ailleurs. De me remettre en tout cas. Parce que le 1 et le 2 en termes de God of War, j'avais joué à l'époque sur PlayStation 2. Et Devil May Cry, j'ai joué au moins 1. Et bien le 2, mais après, bon, je crois pas avoir joué au 3. Et les autres qui suivent. Ok. Je pense qu'il faut sauter là. C'est bon. Si. Ah, ce petit clin d'œil Castlevania classique. Ouais, bah grimpons, j'imagine. Rien en bas. Ok. Pour le coffre. Pas trop comment faire. J'ai l'air d'avoir de grappin. Voilà. J'arrive à sauter assez haut pour attraper le rebord le plus haut. Bah non. Faut pas rêver. Ouais. On va sûrement finir par y aller. Et je vois un moyen, enfin, un truc pour un grimpeur à droite là. Et là aussi. Oublier que c'est carré pour sauter là et non X, bizarrement. Ah, elle veut pas sauter. Comme quoi c'est scripté, hein. Pourtant là, comme suspendu, normalement je pourrais le faire. Tu dis des fois qu'il fallait se balancer pour revenir en arrière et aller chercher le coffre. Oh bah le coffre, tant pis. Vu la taille de la place, là, on va avoir de la compagnie. Voilà. Easy. On a que parade, voilà. Perfect timing.
prend un peu de vie. Ah, c'est nouveau ça. Le pillon qui vient de m'aider. J'ai jamais fait gaffe. Et c'est mignon. Il est seul, regardez, hop. Ok, il est fini. D'où ils viennent. Aidé par le peuple de la forêt. Vous allez rater d'arriver là ou pas, non? Et que je dois faire, que j'ai pas saisi. C'est le dernier. Ouais, c'est bien ça. Il a fait clochette. Encore Navy. Ah, mais c'est pas la première fois qu'on les voit, ça, là, ça me rappelle quelque chose. C'est la première fois même que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de nudité dans le jeu. Parfois, c'est dans une grotte, je crois. Que j'ai pas vérifié si le micro fonctionnait vraiment bien, j'espère que oui. Je viens d'y penser, mais normalement, en l'occurrence, oui, mais parfois il bug. J'ai fait un test avant de lancer la capture là. Un petit peu trop pressé de jouer, espérant que ça fonctionne. Parfois il y a quelqu'un dans les annonces dans le coin là, hein, qui m'envoie un petit message sur le chat histoire de me confirmer que ça fonctionne ou non. Parchemin de chevalier de la confrérie. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'une femme d'une beauté ensorcelante me rendait visite. Elle m'a dit qu'un guerrier venait pour détruire le seigneur des Lycans et qu'elle et son peuple l'aideraient. C'est parce que j'ai du mal. C'était la reine des fées et elle parlait une langue que j'ignorais. Pourtant, j'ai compris chacune des paroles qu'elle a prononcées. Je ne reverrai sans doute jamais une telle beauté en ce bas monde. Si je meurs aujourd'hui, je mourrai en ayant vu et vécu des choses auxquelles aucun autre homme ne peut prétendre. Et je peux déclarer avec joie que le gâteau n'est pas un mensonge. Est-ce que c'est un nom de code? Ok. Le gâteau. Écoute, on va bien voir. Gemme de magie. Je pense à quoi? Ok. Ah. Petit cri de créature. Thank you.
Il faut qu'il m'aurait dit. C'est bien par là qu'il faut aller, de toute façon. Pas dit qu'on avait défoncé la porte ou quoi que ce soit. J'imagine qu'il y a un levier quelque part. Comment se pointer? Je reviens sur la place principale à tous les coups. Là où il y avait juste un levier à tourner tout à l'heure. Ok, je crois que je peux y aller par là. Hein. Ah non, il y a un mur invisible, bordel. Bon bah. Invisible wall! Hein? Enfin, je suis arrivé par là. Attends. Faire fermer derrière? Bah ouais, hein. Donc c'est pas ça. Où est-ce qu'il est le warg? Par là peut-être. J'ai pas vu qu'on pouvait aller par là aussi, du coup. On va voir, hein. Ah bah oui. J'ai raté mon esquive. Enfin. Contre. Oui, non, mais si je me trompe de touche aussi, j'appuie sur le bouton choper, moi. Voilà. Même si j'ai pas fait le parfait timing, au moins. Voilà, je me suis pas. Allez, oublions, j'esquive. C'est trop nul pour ça. Les contre plutôt. Ça va prendre un peu de vie quand même. Voilà. La vie ici. Un parchemin là. Et un saut à faire ici que je peux faire sans lui. Je vais quand même voir. Un copain à lui. On va voir de toute façon. Je vais me revenir en arrière. Je vais chercher le parchemin. Saute. Mais pourquoi il veut plus sauter? Gueule. Tiens, voilà. Ah ok, d'accord, alors. Je crois qu'il y avait un mur invisible. Oh là là, j'ai foiré mon saut, quoi. Rien quand même, faut arrêter des conneries là. Voilà. Ah, derrière, il y a quoi ici? Un secret. Regardez-moi ça, ou un truc comme ça. On dit on va aller ici. Et à tous les coups, de toute façon, je pense que... Pas vraiment avancé à tous les coups, là. La porte va pas s'ouvrir, il manque quelque chose, et c'est quelque chose, il faut aller le chercher là en bas, à tous les coups. La vie, je la garde pour plus tard, parce que je suis quasiment full. Allons voir ce qu'il y a ici. Là j'imagine. Pour revenir à la vue. Ok, j'avais pas vu ça déjà. Parvenir pour rien. Et pourquoi tu l'as pas défoncé?
ça pour ça, mais bon. Voilà. Rien, hein. Un chevalier l'a contrôlé, toujours. Cette civilisation déchue est le témoignage de la plus grande ingéniosité humaine. Je suis attristé que tous les secrets résidant ici seront bientôt perdus. Beaucoup ont déjà coulé au fond de l'océan Palergique. L'influence du Seigneur Noir est forte ici, et les wargs, loups-garous et lycans hantent chaque recoin de cette terre. Enfin, de cette ère, plutôt. Je dois bouger rapidement tout en restant discret pour ne pas être repéré. J'ai rien découvert au sujet du sortilège qui a coupé le monde de celui des cieux, mais à chaque jour qui passait, une chose est devenue claire pour moi. Le seigneur de l'ombre doivent périr. Les seigneurs. Ok. On va essayer, c'est le but. Je crois. Et accessoirement aussi, c'était la femme de Gabriel. Alors là, c'est même pas le joystick qu'il faut tourner, c'est des QTE. L'énigme. M'a l'air un peu loin le grappin. On voit d'ici, mais je mets dans le vide que j'appuie sur le grappin. Je pense pas que. Ah, bah si. Ok. Peut-être dû aller le côté avant, mais bon, pas grave. Derrière comme ça. Non mais non. Ok, tant pis, on est lancé. Ah, pas le temps. Même de la vie. Ah, j'ai raté.
Et quand les fées ont été sélectionnées, appuyez sur la touche rond pour en lâcher une sur l'ennemi le plus proche. Les autres fées peuvent être lâchées en appuyant de nouveau sur la touche rond. Les fées se dirigent automatiquement sur leur cible et peuvent distraire certains ennemis en vous permettant de préparer une attaque dévastatrice. Les fées sont très fragiles et meurent après une utilisation. Les forces magiques qui animent les fées peuvent également être utilisées pour réactiver certains mécanismes anciens. Ok. J'en fasse tout pour venir à l'OGT. Je peux pas me décaler. Ah, il peut sauter, vous voyez, puis rentrer à l'intérieur, enfin bref. Non, il veut pas. Je peux juste descendre. Nous voici ici, ok, je vois où je suis. Là où il y avait le dernier chevalier. Ah bah non, mais on est juste là où. Ah bah non, enfin. Ah, c'est bien ça. Encore un peu de chemin à faire, donc ça. Normalement c'est bon. Est-ce que je passe par là? Voilà. Passons par là où j'ai pas été, c'est-à-dire par ici. Hein. Gauche, droite, je sais pas. Et à gauche. Magie. Full à gauche et full à droite. Voilà. Un petit parchemin au passage. Un parchemin indice. Donc, j'ai découvert des inscriptions sur ces vieux murs. Elles doivent avoir un rapport avec les runes magiques plus bas. La rune bleue a un seul voisin. Ah, mais c'est ce que je viens de faire en fait, sans même voir. L'énigme, quoi. J'ai résolu cette dernière. C'est bien ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Pas bien compliqué. Je vais juste un petit peu curieux. Et appuyer sur les boutons. Bah ouais, alors lâchons-nous. Ok, je reviens ici. Super. Et il reste une fée à trouver. Ok, d'accord. J'ai bien fait de revenir. Sinon j'aurais attendu encore 3 heures pour trouver, pas pour jamais trouver le truc. Vous avez rempli votre médaillon gemme d'ombre, améliorant votre capacité en magie, yes. Tant mieux, hey, moi ce que je veux c'est la fée surtout. Ah. T'as vu ça? Je suis passé par là pourtant. Je suis fou. En fait, il faut simplement que je trouve un bâton. Enfin, voilà, de quoi tourner la manivelle. Ah bah voilà, au moins je sais quoi faire. Ça déjà, c'est un bon point. Et donc faut que je pique celle-ci qui est là. Franchement, faut le deviner quand même. Je l'aurais vu avant, c'est bon. Hein. Je l'aurais deviné. Mais c'était quand même bien caché. Hein. Enfin, caché non, parce que c'est quand même. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a le rayon lumineux, pile poil sur le truc, ce qui fait qu'on voit pas qui clignote. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas plus que ça. Il aurait été dans l'ombre, ça aurait été un peu mieux. Vous auriez dû se débrouiller autrement, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est fait esprit aussi. Bah, t'as le fou dedans ou pas? Connard. Fais chier, Gabi. J'ai galéré bien. Bien bonne. 10 bonnes minutes, là. Pour trouver ce fichu truc. Cette dernière fée, là. Bordel de merde. J'ai rendu au chapitre suivant, normalement. Enfin, au moins. Niveau. Allez, saute là.
Y'a pas de time là. Ah, c'est pas si on peut pas se barrer autrement que par là où on est venu. Bizarre. Bon bah là, je me laisse tomber. Moi je veux speedrun le jeu, mec. Voilà. Elle time. J'ai fait perdre assez de temps comme ça, enfoiré. Donc là, faut que je repasse par là. Le grappin ne fonctionne pas, bizarrement. Alors que je viens d'ici, pourtant, mais c'est pas grave. Donc il faut que je quand même que je passe par là. Ici, je passe tout le tour pour revenir au début, quoi. Au moins maintenant, c'est bon. J'ai les trois faits. Ah, même petit truc caché. Moi j'aurais pas fait ça pour rien, c'est ce que je me dis. Comment 3-4 fois que je le fais ce truc. D'ailleurs il m'a échappé tout à l'heure. Donc à partir de là, c'est par ici. Lâche-toi, chier. C'est pareil, on a récupéré. Le secret. Elle est à la porte. Encore tout au début. C'est pas par ici, c'est par là. Allez, accroche-toi là. What? Et quand tu veux, hein. Cette putain de manivelle à tourner. Ah. Oh bah mince. Bon, ça, c'est une alternative. Et là haut, je vais se barrer. Stay here. Pareil là. Oh, j'appuie. Non, pas lui, pas ça. Lui là. Non, merde, allez, écoutez.
de ma gueule déjà. C'est mieux, c'est comme si la touche grappin, voilà. Et enfin, je m'en tapais trois, quoi. Oh, fuck you. Permet de déplacer les objets, peut être pas mal aussi. On va avoir de la force. Non, bah refais la même. Nique ta mère. Ah ouais, bah, c'est de la merde ça. Fallait y penser quand même. Hein. Je préfère me battre plutôt par là du coup. Chope-le, connard. Je veux pas. J'ai fait la chope, hein, deux fois de suite, hein, en face de lui. Voilà. Aussi, il l'a eu, là, quand même. Putain, là. Attends, je le fais. Oui, c'est capricieux ça. Un peu dommageable. Alors, le jeu est très bien, là j'en ai un peu parce qu'en fait ça fait quand même un quart d'heure que j'ai cherché cette dernière fée là. C'était pour lui aussi un peu parce que j'ai envie de m'énerve. Mais sinon très bien le jeu. C'est comme ça des fois. Quand tu bloques sur un machin dans aucun jeu c'est agréable. Bah allez là. Ouvrir cette fichue porte là. Et terminer ce fichu level. Voilà, donc c'est quelle touche? Triangle, carré, rond. Est-ce qu'il faut que je fasse la magie? Ah bah non, il faut la sur L2. R2. Ok. Et je pense que c'est la fin de ce niveau justement. Oh, très bien. Mais bon. Très bien passé des petits moments de galère. Et quelques petits problèmes avec le grappin au niveau de la chope et du fait que du coup il chope le décor. C'est un peu gênant. Bon, je crois que j'ai de quoi me prendre une dernière compétence là. Est-ce qu'on va se faire ça? Petit tour rapido aux compétences là. Là je crois que j'ai tout. J'ai tout. Je crois que là aussi j'ai tout. Ah non. Enfin, sûrement ici parce que là il y a tout. Ah, il reste là aussi. Coup de poing écrasant, coup de poing avalanche. Des pouvoirs reliques. Et des coups avancés. C'est quoi qui me manquait? Des coups avancés. Je vais en prendre 3 ici. Ou un seul là. Coup de poing écrasant, coup de poing avalanche. Carré, carré, carré. Des combos faciles, ça va, rapide. La chaîne circulaire. Ça, quand il y a pas mal de monde, ça peut être pas mal. On va se le prendre. On se
tronçonneuse. Laisse donc. Ouais, ça peut être pas mal ça aussi, mais bon, c'est quand même 2000. Parce que toi-même, j'aime pas de quoi. Derrière des chaînes, qu'est-ce donc ça? Pas mal ça aussi pour les tenir à distance. C'est pas un petit mob. Et revenons ici au pouvoir des reliques. Coup de poing écrasant, coup de poing avalanche. L2 carré. L2 carré. Ouais. C'est déjà plus ou moins l'équivalent. Allons voir s'il y a pas autre chose. Ouais, ça peut être pas mal. Faut y penser, quoi. Là, je vais me prendre ça. Allop. Et je vais arrêter là pour, comme je disais, pour ce chapitre. Pour ce chapitre, pour cette vidéo. À la prochaine. Prenez soin de vous. Et bon jeu à tous. Allez, ciao.